Et bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Assassin's Creed 2. Et donc la dernière fois nous avions récupéré la tenue de Altaïr. Et donc maintenant on doit récupérer un masque d'or pour rentrer dans la fête du Doge. Et pour cela nous devons faire des épreuves, c'est parti. Bienvenue. Messieurs, peu importe l'issue de cette épreuve, je suis certain que vous ne l'oublierez pas de sitôt. Mesdames, voilà comment ça va se dérouler. Toutes les dames de ce quartier ont des rubans. Vous devrez les récupérer. Celui qui en rapportera le plus avant que le temps ne soit écoulé pourra caresser l'espoir de remporter le prestigieux masque d'or. Oh là là. On connaît ma manière avec les temps impartis. Ok, alors attendez. Ah oui, merde. Je vous demandais un ruban. Alors attendez. Hop. Alors, comment ça va? Quelque chose pour moi, belle Lémire? Allez, viens, vous êtes mon très amour. Embêté cet après-midi. J'ai rêvé ou quoi? Ouais. Et ils sont où les... Allez, hop. Qu'est-ce que je voulais faire? Bonjour, mesdames. Je les bouscule et après, je les vole et après, je leur dis bonjour, mesdames. Logique. Voilà. Ah non, il en reste encore un. Ici. Vous avez récupéré 26 rubans sur 25. C'est bon là. Nous avons un vainqueur. Vous avez plus de rubans que quiconque dans cette assistance. Vous êtes incontestablement le favori de ces dames. Continuez comme ça, et le prix le plus prestigieux de tous les temps vous reviendra. Allez, hop. Ça, ça fait plaisir. Je vais aller où? C'est quoi le plus proche? Ah oui, d'accord. Ah, c'est vraiment éparpillé dans le truc. Bon, allez, on va aller faire celle-là. Et soyez pas timide. Hop. Allez. On va y aller en bateau, hein, ce sera plus rapide. C'est chiant de ramer. Ah, il est là-bas. Il n'y a plus de musique, ça fait vraiment glauque. Voilà, c'est mieux là. À qui le tour? Approchez. Moi. Benvenuti, bienvenue à tous. Serez-vous capable de vous surpasser dans un jeu de vitesse et d'endurance? Nombreux sont les défis qui vous attendent. Ce jeu est fort simple, mais aller jusqu'au bout est presque impossible. Partez quand vous voulez. Le premier concurrent qui battra le record de la course pourra espérer décrocher le masque d'or. Bon bah c'est parti hein. Oula. Ok, ça va. Non, commence pas. Allez, hop, hop. Le prochain, il est là-bas. Tac, tac, tac.
Comment je vais passer là? Allez. Ok, d'accord. Faut monter. Non, faut pas monter. Il est où le prochain? Allez. Allez, 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 allez. Là, j'ai plus que 47 secondes. Je sais pas où faut aller. Allez, 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 allez. Où est-ce qu'il est? Il est où le checkpoint? Il est là. Allez, 30 secondes. Ah. Allez, monte. Oh non, j'ai plus de 15 secondes. Je sais pas comment je vais faire. Oh non. Oui. Oh, j'ai eu de la chance là. Le vainqueur. Vous venez de prouver que vous étiez l'homme le plus rapide de tout Venise. Continuez comme ça, la récompense suprême est à portée de main. Je crois que les Templiers, ils m'ont un peu grillé. Enfin, après, c'est une impression, hein. Hop. Allez, c'est parti. En même temps, c'est pas très discret de faire ce que je fais, genre... Oui, bon bah... Je me montre en public pour gagner le masque d'or. J'avoue que maintenant que j'ai la tenue d'Altaïr, je me sens tellement en sécurité. Genre, je sais que il n'y a pas grand monde qui pourra me tuer. Oh, tais-toi. Approchez, c'est ça, venez tous. Je vous propose maintenant un jeu d'agilité. Qui réussira à capturer le drapeau? Qui veut être sacré champion? Bienvenue, bienvenue. Les règles de ce jeu sont simples. Distancez vos adversaires, capturez le drapeau au centre du terrain et rapportez-le à votre position de départ pour marquer. Si votre adversaire s'est emparé du drapeau, assommez-le pour le récupérer. Soyez le premier à avoir capturé trois fois le drapeau et le masque d'or sera peut-être à vous. Peut-être. Ok, d'accord. Il est où le drapeau? Allez, mais descends! Non, 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 non! Et j'en ai perdu de la vie. J'ai le droit de le tuer ou pas? Là c'est mort. Ah, j'ai pas pu prendre le... Pas pu prendre le drapeau. Bon, alors, on va recommencer, hein, dans les règles de l'art. Ok, maintenant je sais où est le drapeau, ça va être beaucoup plus simple. Thank you.
aura pas. Il n'y aura pas le drapeau. Viens là. C'est compliqué comme affaire. Hey, t'es vu, vaisseau. Viens là. Alors. Bon, je crois que je viens de prendre exactement le même chemin que tout à l'heure. Non, non, mais non! Alors là-bas, quand on arrive sur un toit, pourquoi il est là, il est tombé? Bon, cette épreuve va pas être de toute simplicité finalement. Allez, troisième try. J'ai juste remonté l'échelle en fait. Je sais pas s'il va me suivre le mec. Allez, 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 allez. Ok, deuxième manche. Si c'est le même endroit, ça devrait pas être trop compliqué. À avoir pas beaucoup de santé. Ça va en fait, c'est simple quand t'as compris le concept. Allez, c'est parti. Tac. Tac. Oh non! Reviens là! Pourquoi il court plus vite que moi? Pourquoi il court plus vite que moi? C'est n'importe quoi! Allez, tant pis. Hop. Ok, d'accord. Oh non. Oh, dites-moi que... Je peux pas ressortir. Ok, je viens de remporter la partie sur un bug sympa, c'est-à-dire que je ne pouvais pas me suicider. Vous avez défendu votre drapeau et capturé celui de l'ennemi. Vous avez prouvé que vous étiez un guerrier hors pair et vous vous rapprochez un peu plus du sac ultime. Ok, je vais d'abord trouver un médecin, par contre, maintenant... Je me suis bien fait détruire. Voilà. Contenant en plein. Et approchez, entrez dans l'arène. Voilà. Il tiendra le plus longtemps. Allez. Malheureux combattants, je vous salue. Ce jeu est simple. Il n'y a qu'une règle. Aucune arme n'est autorisée. Les combats vont se succéder, mais à la fin, il ne peut en rester qu'un. Est-ce que ce sera toi? Ou toi? Qui remportera le masque d'or?
À coup de poing, ça devrait aller quand même. Allez, paf. Allez, tac. Oh là là, mais what the fuck? Mec, il me donne un mec en armure à défoncer, quoi. C'est n'importe quoi. On dirait que celui-ci se prend pour le champion de service. Vas-y, Dante, montre-lui ce qu'il en coûte de se surestimer. J'ai rien dit, moi. D'accord, tu as l'air beaucoup plus dur, hein, c'est vrai. Tiens, tiens. Alors, avons-nous un volontaire pour défier notre champion? Dois-je le déclarer vainqueur? Ah! Voilà d'autres combattants! Et what? Alors bon. Comme ça, on oublie les règles, hein? J'ai le droit aux armes de ce fait ou non? Ok, apparemment je m'en fous des règles aussi. Bon, tant pis pour toi. Bon, hé! What the fuck? Voilà! Signore et signori! Cette année, les célèbres jeux du carnaval s'achèvent sur une note glorieuse! Notre vainqueur va venir chercher son masque d'or! Notre vainqueur a prouvé qu'il était le plus rapide des coureurs, le plus fort de tous les champions, le plus fin des stratèges, et clairement, le favori de ces dames. Avec 4 épreuves remportées à la loyale, le vainqueur du masque d'or est... Le vainqueur du masque d'or est... Dante Moro. Félicitations. Nous te disons à ce soir. Ouh là là. Ok. Bon, cette vidéo s'achève donc ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si elle vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !